existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé, en dehors de toute passion, de toute logique. Elle vit pour tuer. C'est une machine à dévorer. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Et vous le saviez. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. Va impacter à peine un hectare. Tous les ports de plaisance sont des pompes à argent. En toute logique, la municipalité aurait dû malheureusement déjà arrêter le projet. Il s'agit d'une très belle réalisation. Je pense que les enjeux environnementaux sont maîtrisés. Bien sûr, il y a des risques, mais la prise de risque, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Ils vont dénaturer les plages. Ce projet va encore de nouveau poser le problème de condamner à terme, de toute façon, cette zone humide. Donc on voit bien que nos modes de production et nos modes de pensée ne sont pas du tout encore adaptés. Ils veulent et nous voulons notre port. En une de Libération, un glacier qui fond et ce titre, maintenant ou jamais. En une du Parisien, réchauffement climatique, la France plus touchée que jamais. En une de l'Humanité, l'urgence face au péril. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Mais enfin, je suis responsable du public et de sa sécurité. T'as vu ça ? Thank you.